c'est pas moi qui l'appartient. Vous allez à la poste, vous allez chez Vive. Ah mais ah non. Bien sûr, je vais à la poste. Parce que et si j'avais des enfants, si ça se trouve, je les enverrais dans l'enseignement privé. Je peux même pas l'exclure. Et vous savez pourquoi? Et je ne trie pas mes déchets et des fois mes robinets ont la boutonnée. Je vais vous dire pourquoi. C'est une question qui est une expression quasiment pure et parfaite de la métaphysique libérale, c'est-à-dire qui fait peser sur les individus séparément la charge de changer de système. Les individus jouent le jeu dans le système comme il est. Et moi, pour envoyer du courrier, j'ai besoin de la poste. Et même si la poste se comporte de manière ignominieuse, je dois en passer par la poste, si vous voulez. Et par exemple, attendez, j'ai de la marque partout sur mes fins, sur les fesses. Hein. Ça, c'est Zara, ça, c'est Gap, etc. Donc, je veux dire, c'est des gens que je n'aime pas. Même si j'avais des fringues achetées au marché ou je sais pas quoi qui m'auraient coûté 2,50€, ça n'en purait pas moins la transpiration d'un ouvrier exploité quelque part au Bangladesh, etc. Les individus sont plongés dans les structures de l'économie capitaliste. Il ne faut pas leur demander séparément de les vaincre à eux seuls par la force de leur petit comportement individuel. On peut trier les déchets comme on veut, je veux dire, pendant que la Chine rentre dans la mondialisation charbonnière, vous voyez ça d'ici, vous fermez vos robinets, ça, je veux dire, ça fait faire à Veolia l'économie de l'entretien de son réseau, quoi. Bon. Un homme face à l'histoire, on ne peut rien. Très bien. Mais vous, en tant que groupe, oui, d'économiste atterrés, comment vous faites porter votre critique? On ne sait pas qu'on peut rien. Vous n'êtes pas emporté par les forces historiques. Oui, mais bien sûr que si, comme tout le monde. Mais vous vous révoltez contre. Ah, mais ça n'a. Je veux dire, ces deux propositions ne sont pas contradictoires. Mais à ce moment-là, mais pourquoi se rebeller alors si ça ne sert à rien et qu'on va être. Ah, mais parce que, écoutez, je vais vous dire, si je me laissais aller jusque dans ces dernières conséquences à l'analyse rudement lucide que je prends du monde, j'irais me chercher une grange avec une corde, quoi, et ça serait terminé. Mais heureusement, comme Spinoza l'a dit, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et donc, je suis plus en colère que je ne suis rationnellement lucide. Alias, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, et patati et patouette. Vous voyez, c'est ce genre de truc qui nous meuve. Et des fois, on a des coups de calgon, et on se sent vraiment très minoritaire et très dominé par tout. Qui est incroyablement hostile, qui est incroyablement adverse, qui ne nous a jamais laissé la parole pendant 30 ans, enfin vous voyez, donc comment nous faisons, nous ramons à contre-courant comme nous pouvons.